notre premier dîner. Ça va? Hein? Oui, ça va. Juste besoin de faire un petit tour rapide aux toilettes. Nulle part, vous êtes sûr? Bah, on a fouillé tout le bateau, voilà. Mais il a quand même pas sauté. Vous avez préféré sauter. J'ai touché le fond, hein. Chaque fois c'est pareil. Dès que je dois sortir de l'argent, je... Sauf il y a un mois, quand j'ai prêté 30 000 euros à un collègue de bureau. 30 000 euros? Il doit me les rendre demain. Avec 30 % d'intérêt. Ah oui. Et le pire, c'est que ces 30 000 euros, ils sont même pas à moi. Ils sont à Aline. Aline. Ma sœur. Je suis foutu, irrécupérable. Jamais aucune femme voudra de moi. J'ai une bonne nouvelle pour vous, hein. L'usage veut que la première séance soit toujours... Gratuite. Je sais. Vous êtes le 20e que je viens voir. Je vous dis, irrécupérable. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Laurent Delporte. Vous pouvez me laisser un message. Allô, oui? Oui, c'est voiture pub. Ah ben j'arrive. À tout de suite. T'as avec quoi ce mois-ci? Encore une vache? Vous verrez, c'est une surprise. Et il n'y avait rien d'autre que de la crème anti-cellulite. C'est pour le départ à la retraite de Bernadette à la compta. Merci. Et allez, à mon nom, c'est déjà donné. C'est pour Bernadette à la compta. On lui offre un voyage en Italie. Bernadette, elle rêve de visiter le Vatican. Elle adore le pape. Aidez-moi, je vous en prie. Pardon? Faites quelque chose, n'importe quoi, que j'ai l'air très très occupé. Vite, 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 je vous en prie. Désolée, c'est la seule chose qui me soit passée par la tête. Ne soyez pas désolée. Et puis, merci, vous m'avez sauvé. Je travaille au juridique. Et vous? Tout en haut. Au 7e, à la direction? Non, encore plus haut. Au 7e ciel? Bonjour.
Vous êtes bien sur le répondeur de Laurent Delporte. Bon, inutile de laisser de message. Je pourrais pas y répondre. Puisque je serai mort. Voilà. Adieu. Laurent, c'est moi. Inutile de te rappeler que c'est aujourd'hui que tu dois toucher ta prime et donc me rembourser mes 30 000 euros. Parce que si ça traîne trop, bonjour les intérêts. Au secours ! Alain ! Alain ! Il y a quelqu'un qui se suicide ! Maman, je suis pas du tout en train de... Mais non, pas vous ! Sur le toit ! Il y a quelqu'un qui veut sauter, aidez-moi ! Non ! Non ! Non ! Non, je vous en supplie ! Ne faites pas ça ! Ne sautez pas, ça n'a aucun sens ! Laurent ! Laurent, c'est votre prénom, c'est ça? Soyez raisonnable, Laurent. Laurent. Je vous en prie, écoutez-moi. Mademoiselle! Mademoiselle! Vous avez dit Laurent, c'est ça? Oui. Laurent comment? Je sais rien, moi. Laurent, Delporte, de la porte, mais qu'est-ce que ça change? Non, Delporte, qu'est-ce que ça change? Ah bah, allez, tu tombes bien. J'ai pas le temps, je dois aller sauver quelqu'un. On m'a pris à inventer n'importe quoi pour... Non, ne faites pas ça, je vous en supplie. Ah non, je fais... Qu'est-ce que je fais? Vous avez appelé la police? J'ai oublié mon portable. Prenez le mien. Il se raconte à la société. Laurent. Oui. Tu bouges pas. Je bouge pas. Alors. Je suis en attente. D'en bas, on dirait pas. Mais d'en haut, c'est haut. Hein. Laurent, calme-toi. J'arrive. Laurent, attention. Laurent, écoute. Si tu fais ça pour les 30 000 euros, on va trouver une solution. On va réduire les intérêts. Je sais pas. Je veux tomber. Je veux tomber. Non. Si tu tombes, je tombe aussi. Mais lâche mon bras. Jamais. Lâche cette bouteille. Allez. Voilà. Maintenant, tu me donnes ton autre main et je vais te remonter, OK? Allez. 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 Voilà. Allez. Maintenant, on va rentrer tranquillement. Ok. Tu m'as impressionné. Tu m'as fait peur. Oui, mais bon, il fallait oser. Non, vraiment. Ah, on se voit après. Vous m'avez bluffé. Parce que franchement, vous auriez pu y rester, vous aussi. Ça a été plus fort que moi. J'ai écouté mon instinct. Il vous doit la vie. Il me doit beaucoup plus. Pardon? Non, je veux dire, c'est à vous qui devrez dire merci. Oh. Si vous aviez pas été là... Ah non, elle a raison, la demoiselle. Des types comme vous aujourd'hui, il n'y en a plus. Permettez, je vous l'enlève. Oui, oui, bien sûr. Je vous laisse. Au revoir. Je vous demande pas ce que vous faisiez sur le toit avec Monsieur Morin, mais l'amour fait des miracles. Sans vous, Laurent aurait sauté. Dites-moi, vous savez pourquoi il a fait ça? Moi, je sais. Hein. Il voulait pas que ça se sache, mais il est endetté jusqu'au cou. Quoi? Une soirée avec sa femme, j'ai pas tout compris. Mais il a emprunté du fric à pratiquement tout le monde autour de lui. Tu dis ça maintenant? T'aurais pu le dire avant. Oui. Ça aurait changé quoi? T'aurais remboursé ses dettes, toi, peut-être? Le pire, c'est que nous aussi, il nous met dans une sacrée merde. Voilà ce qu'il m'a remis ce matin. Les tendances de l'année prochaine, enfin, d'après lui. Hein. Alors, du noir. Et encore du noir.
Je fais comment, moi, pour lancer la production dans 10 jours? Quand je pense qu'on le paie une fortune pour nous sortir ça. Là, je te rassure tout de suite. Je veux bien être gentil, mais il y a des limites, quand même. Tant qu'on ne verra pas les vraies couleurs tendance, lui ne verra pas la couleur de sa prime. T'as vraiment trop de bol. Moi, sur les toits, tout ce que je crois, c'est des pigeons. Et encore, je dois m'estimer heureuse s'il ne me faut pas caca dessus. De le voir s'avancer comme ça, sur cette poutrelle au péril de sa vie. Oh, je peux pas te décrire ce que ça m'a fait. Oh si, j'imagine, trop beau. Mais tu l'as embrassé quand? Avant ou après qu'il jouait super-héros? Non, avant. Sauf que, attends, on s'est pas vraiment embrassé. C'est parce qu'il m'a demandé de... Puis moi, c'est tout ce que j'ai trouvé, quoi. Moi, je crois qu'inconsciemment, t'avais déjà dû percuter que c'était un homme à part. Tu vas le revoir, tu crois? Revoir qui? Superman. Un mec qui saute de toi en toi pour empêcher les malheureux de se foutre en l'air. Pourquoi tu racontes ma vie, toi? Mais ça m'intéresse, même si t'as rencontré quelqu'un. J'ai envie que tu sois heureuse. Je préférais que ce soit avec moi, mais bon. Et il s'appelle comment? C'est vrai, ça? Il s'appelle comment? Je sais pas. Ah, d'accord. Et lui, il connaît ton prénom? Non plus. Tu réponds pas? Quoi? Tu réponds pas? Ben, c'est pas le mien. Pourquoi ça sonne dans ton sac, alors? Il l'avait prêté, j'ai quand même oublié de lui rendre. Ça, c'est un signe. Aline. Signe qu'il est maqué, ouais. Pourquoi est-ce que les femmes vont toujours chercher ailleurs ce qui est en face d'elles et qui leur tend les bras? Oh, tu as pas recommencé, Daniel. Si. Jusqu'à ce que tu comprennes que c'est moi l'homme de ta vie. Mais je peux attendre, hein. Je suis patient. Oh là là! Très, très patient. Il a peut-être pas tort, finalement. Mais non, Daniel, je l'aime beaucoup, mais je l'aime pas. Dis donc, elle lâche pas l'affaire. Charline, rends-moi ça. Allô? Ouais, c'est Aline. Qui? Je veux parler à Alexis. Oh, Alexis? Il s'appelle Alexis. Ah non, désolée, mais il a changé de numéro. Ah bon, pourquoi? Bah, je sais pas, il en avait peut-être marre que certaines femmes le harcèlent au téléphone. Faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Il t'a fait craquer, ce mec? Ou il t'a pas fait craquer? C'est bizarre. C'est une femme qui a répondu. Et alors? Elle avait l'air très jalouse, en plus. Et quoi, il a pas de petite copine, ton frère? Il aimerait bien, mais radin comme il est, c'est mission impossible. Attends, couvre-toi, là, t'es plus à Tahiti. Merci. Voilà. Non, mais c'est une vraie cata, mon frère. T'as pas idée, hein. Moins je le vois, mieux je me porte. Attends, juste rassure-moi sur un point. C'est pas à lui que tu vas demander de l'argent pour notre projet de boutique? Non. Ok. Je vais pas demander, je vais exiger. Je vais récupérer ma part sur la vente de la maison de notre père. Quoi, attends, celle qui t'a coûté un bras en travaux? N'empêche que là-dessus, malgré tous ses défauts, il avait raison, mon frère. Pourquoi? Elle doit être nickel maintenant. Ouais. Si elle est nickel et qu'elle rapporte gros. Ah bah ouais. Eh ben, elle doit coûter cher. Bon, bon. Il faut que je récupère ces 30 000 €. Je peux le faire, je veux le faire, je vais le faire. Je peux le faire, je veux le faire, je vais le faire. Je peux le faire, je veux le faire, je vais le faire. Et vous pensez que M. Delporte va pouvoir reprendre son travail bientôt? Pourquoi, vous êtes son patron? Non, je suis inquiet, c'est tout. La dépression n'est pas une maladie comme les autres. Il aura besoin de repos, mais surtout, il aura besoin d'amour et de réconfort. En fait, tout va dépendre de son entourage. Mais si déjà ses collègues de travail se mobilisent... Ça ne marchera pas, ton chantage de suicide, tu m'entends? C'est terminé, je reviendrai pas. Mais Anne, reviens, je t'aime, je peux pas vivre sans toi. Trop tard, fallait penser avant. Attendez, vous allez pas le laisser tomber maintenant. Regardez dans quel état il est. Attendez, mais vous êtes qui, vous? Un collègue, j'étais sur le toit. Ah oui, c'est vous. Bah écoutez, je vous laisse, il est à vous. Je suis désolée, mais là, ça fait 3 ans que je gâche ma vie avec lui. Alors maintenant, ça suffit, il ne changera jamais. Mais elle comptait pas, cette fille, je te jure. Non, je sais. Et toutes les autres non plus. Sans ta tête pour ça que tu dépenses des fortunes pour leur offrir tout et n'importe quoi? Hein? Quoi, il vous a pas dit? Ça fait un mois qu'il flambe, votre petit copain. Pas là, ce restingue, la totale. Et tout ça sans moi, évidemment. Mais alors, avec quel argent, ça, je ne sais pas. Bon, d'accord, j'ai fait n'importe quoi, mais c'est vrai, c'est terminé. Je te jure, c'est terminé. Voilà, voyez, il le dit. Il va changer. Mais pour ça, il a besoin de vous. Non, il a besoin de personne. Il y a que lui qui compte et ça a toujours été comme ça. Alors, si vous voulez l'aider, pas de problème, la place est libre. Ses affaires sont là.
On est à quel étage, là? Attends, elle a raison. Je vais m'occuper de toi. Hein? Oui. Tu vas venir vivre à la maison, je vais te remettre sur pied. Tu vas retrouver le goût de vivre. Le goût de travailler. Tu vas trouver tes couleurs, tendances pour l'année prochaine. Tu vas toucher ta prime. Si tu savais quand je m'en fous de tout ça, hein. Et ta femme? Tu vas retrouver ta femme. Aussi. C'est ça, oui, comme si c'était possible, ouais. Mais si, mais là, elle est énervée, mais elle... Ça lui passera. Allez, viens. Tu fais tes valises, et tout à l'heure, après le boulot, je t'emmène chez moi. Bonjour. Bonjour. Je suis désolée de vous déranger. C'est votre secrétaire qui m'a dit que vous étiez là. Je suis venue vous rendre votre portable. Vous êtes toujours comme ça? Comment comme ça? Généreux. Tourner vers les autres. Vous savez, donner, c'est recevoir aussi. Beaucoup. Vous prenez quoi? L'expresso. Mais... Ah si, si, j'y tiens. Vraiment. Ça me fait plaisir. Ah oui, je vous le rends. Parce que, comme connaissant, je suis capable de repartir avec. Et vous faisiez quoi, juste sur ce toit? Je prenais l'air. Et c'est pas une expression, hein. Je mesure les taux de pollution atmosphérique. Vous pourriez pas vous... Je prélève, j'analyse, je décortique, je... Si c'est pour moi que vous veniez, c'est trop tard. Je sors. Madame Gourneau, je savais même pas que vous étiez là. De toute façon, je me fous des visites, je me fous de tout. Ne vous inquiétez pas, elle est comme ça avec tout le monde. Un vrai cauchemar. Je vous ai entendu, je vous signale. De toute façon, vous n'aurez pas de pourboire. Ça vous apprendra. Un pourboire? Mais vous n'en auriez jamais donné. C'est pas des oursins que vous avez dans les poches. C'est des hérissons. Madame Corneau, c'est ma plus vieille voisine. Ça doit être horrible d'être radin. Oh. On doit être coupé de tout. Sans amis, tout seul, sans personne à aimer. Et puis finir comme ça aussi... Comme elle, quoi, comme un chien, comme... Je vais aller retrouver Laurent. Il va falloir que je m'occupe des formalités de sortie. Oui, bien sûr. Bon, bah. Au revoir, alors. Au revoir. Et si... Oui. Si je vous dis... Sushi, ce soir? Pas trop tard. Je vous dis parfait. Je peux changer, je veux changer, je vais changer. Je peux changer, je veux changer, je vais changer. Je veux changer, je veux changer, je vais changer. Ça paraît grand comme ça, mais en fait, pas tant que ça. Tout l'étage est condamné. À cause des trous dans la toiture. Je devais attaquer les travaux, mais... Bon. Tu vas dormir sur ce canapé. Et puis, tu pourras utiliser cette table comme bureau. Ça ira? Hein? Oui, bien sûr. Hein. Ouais. Bah, sans toi, je serai à la rue. Alors, même si c'est juste un canapé, c'est déjà super. Bon, je vais pas du tout pouvoir travailler, mais au moins, je suis à l'abri. Et pourquoi tu pourrais pas travailler? Avec ma double hernie discale, sur ce machin, là, je vais souffrir le martyre. Et quand j'ai mal, j'arrive même plus à penser. Alors, bosser, tu parles. Ah, bah oui, là, forcément, c'est parfait, là. Ouais, mais non, mais ça m'embête.
Fallait pas, c'est ton lit quand même, quoi. L'essentiel, c'est que tu remontes la pente. Ok. Bon, bah, c'est toi qui vois. Je vais te faire la liste. La liste? Ouais, ouais, de tout ce qu'il va me falloir pour travailler. Si j'achète tout, tu promets de te remettre à bosser. Et si je me remets à bosser, tu promets que ma femme reviendra? Si c'est pas elle, ça sera une autre. T'es beau, t'es jeune, t'as du talent. Non, hey, c'est dingue comme on peut mal juger les gens. Toi, t'es toujours dans ton coin, tu participes jamais au pot, tu viens jamais à nos soirées resto. En plus, tu devrais être super énervé contre moi, je te dois un maximum d'argent quand même. Hey, mais si ça se trouve, c'est pour ça que tu m'aides. Ah non, là, je t'arrête tout de suite. Hein. On parle pas d'argent. L'important, c'est que t'ailles mieux. Vraiment? Vraiment. Okay. Bon, bah, dans ce cas, je rajoute un truc. Du champagne? Oui, oui. Ça me rend hyper créatif. Oh, tu me diras, c'est moins cher que la drogue. Bonjour. Monsieur Alexis. Ah, mais qu'est-ce que vous faites là? C'est pas Noël? Non, je viens pas pour un cadeau, monsieur Wenmong. C'est un peu particulier. J'ai toute une liste. Moi, avoir tout, hein? Du matériel de peinture. Tout. De cette marque-là? Tout, tout, tout. Ce champagne aussi? Le même, avec moi. Tout 100% authentique. Mais pour du faux. Ok. Stop. Stop. Bonjour, vous êtes bien chez Alexis. Merci de me laisser un message ou de me joindre sur mon portable. À bientôt. Alexis, c'est moi, Aline. Je suis rentrée d'Haïti. Bon, un coup de tête. Enfin, un coup de bol aussi. Je suis sur un super plan. J'imagine que les travaux de la maison sont finis. Bon, bref, il faut qu'on se voit très vite pour la vente. Ciao. Super en avance. J'en ai pour deux secondes. Rentre. En même temps, c'est pas plus mal parce qu'on va devoir faire un petit détour. Ah bon? Oui, mais t'inquiète pas, ça sera pas long. Hein. J'ai promis à une amie de lui rendre un petit service, donc... C'est que... faut y être absolument avant 20h. C'est un restaurant très demandé. Si on veut avoir de la place... Oui, mais je t'assure, ce sera pas long. Puis au pire, on ira ailleurs, hein. C'est pas les restos qui manquent. C'est sûr. C'est Simone. Oh là là, monsieur. Oh, ouais. C'est un cadeau d'un ancien copain écolo. Lui, j'ai pas gardé, mais elle, oui. Elle prend les meilleurs œufs du monde. Hein, moi, Simone. C'est bon, c'est bio, c'est économique. C'est pas bête. Il en avait d'autres, des idées? Oh oui, des tas. Il m'a enseigné l'art de la récup. Tout ce que tu vois ici, ou presque, je l'ai trouvé dans la rue. Non, moi, je fais pareil. C'est fou ce que les gens peuvent jeter.
Et c'est super écologique. Ouais, enfin, l'écologie, c'est bien, mais faut pas pousser, hein. Mon ex était devenu une vraie caricature, alors au bout d'un an, bah, j'en ai eu marre et il est parti, en me laissant Simone et deux briques. Deux briques ? Tu vois, avec ça au fond, à chaque fois que tu tires la chasse, le réservoir se remplit moins et donc tu consommes moins d'eau. Au prix où elle est aujourd'hui. 3 euros le mètre cube, sans compter la location du compteur et les frais d'abonnement. Te moque pas. L'eau, ça va devenir de plus en plus rare. Ah, mais je me moque pas, hein. Eh, si ça peut sauver la planète, moi je suis pour. À fond. J'en ai récupéré d'autres si tu veux. Et t'aurais pu les prendre une autre fois, les briques, tu sais. Oh, mais j'avais peur d'oublier. Et puis, il est jamais trop tôt pour sauver la planète. Regarde-moi ça, mais c'est pas vrai, mais ils foutent de la pub partout maintenant. Bientôt, ils vont nous mettre des tickers sur le front ou nous obliger à se balader avec des pancartes dans le dos. En même temps, s'il y a des gens assez cons pour accepter, tu vois. J'imagine qu'en échange, ils ont la voiture gratuite. Et du coup, ça leur fait une vraie économie. Comme ces briques. À ce moment-là, qu'ils mettent de la pub sur des cartons d'SDF. Là, oui, là, oui. Il y en a tous les 3 mètres, tu vois. Au moins, ça leur rapporterait de quoi manger. T'es garé où ? Qui mesure la qualité de l'air à longueur de journée, c'est sûr que je suis plus vélo que taxi. À moi pareil. Finalement, quand j'y pense, je suis très très écolo. J'adore. Mais pourquoi tu m'as appelé ? Vous n'avez pas besoin de moi, vous êtes largement assez nombreux. C'est lui qui a insisté. Tu savais que je voyais Alexis ce soir, alors t'as manigancé ce plan minable. Je voulais juste voir sa tête. C'est pas tous les jours qu'on a la chance de croiser Superman. Mais je suis super rassuré, hein, yeah. Super banal. Tu m'emmerdes, Daniel. Et je t'interdis. Désolé. J'enfile ma cape, hein. Le super devoir m'appelle. T'as vu ton ex-écolo ? Non, non. Qu'est-ce qu'il fout ? Il récupère les surplus d'une réception. Vis-à-vis de la loi, le resto doit tout jeter pour des raisons d'hygiène, mais bon, c'est du gâchis parce que c'est bon et c'est super frais. Et donc, ça leur fait des repas gratuits ? Mais non ! Mais non, t'es bête ! Ils donnent ça à des associations pour les gens qui mangent pas à leur faim. Malheureusement, c'est pas ça qui manque. C'est sûr. Et ils risquent pas de se faire choper si c'est illégal ? Oh, les flics, quand ils viennent, ils disent rien. Je comprends pas, vous les avez tous libérés, sauf moi. On intervient parce que c'est la loi. Et on les relâche parce que franchement, ce qu'ils font, c'est pas bien méchant. Mais toi, toi, en revanche... Quoi, moi, en revanche ? J'étais même pas avec eux. Oh, bah, c'est un rigolo, lui. En 2 secondes, il va nous dire qu'il savait même pas qu'il était dans le resto. Bah non. Et avec qui ? Il y avait la moitié du gouvernement, et tu le sais très bien. Hein ? Alors que des petits malins s'amusent à leur balancer des tartes à la crème, passe encore. Chacun ses opinions. Et ça, c'est pas de la tarte. Mais non, mais... T'es qui exactement ? T'appartiens à quel groupe ? Quelle mouvance ? Mais aucun. C'est pour les toilettes. Pour la chasse d'eau. €400 ? Ah oui, c'était ça où tu passais la nuit au poste ? Pour ce prix-là, ils auraient pu rendre des briques. Alors t'as payé pour moi et... Mais attends, tu ne dois rien, c'est de ma faute. C'est moi qui t'ai entraîné dans cette galère. Et c'est qui le type qui organisait tout ? Ah, Daniel. C'est un collègue. Il est venu pour voir à quoi tu ressembles. Pourquoi ? Parce qu'il est jaloux, voilà. Il est persuadé qu'il est l'homme de ma vie. Et c'est pas le cas ? Et alors, vous avez fait quoi ? Bah rien. Je l'ai raccompagnée chez elle. À pied.
À chaque restaurant devant lequel je passais, je me disais, vas-y, rentre dans celui-là. J'ai jamais pu. La seule chose que j'ai réussi à lui acheter, c'est un paquet de chips. Et encore, j'en ai bouffé la moitié tellement j'avais faim. On y est presque. Tu pourras monter de sécher si tu veux. J'aime autant pas. Avec Laurent qui est chez moi, je suis pas tranquille. Elle s'appelait comment ? Qui ça ? Celle qui t'a rendu si méfiant. Excuse-moi, j'ai un défaut, je dis tout ce que je pense. Et là, je vois bien que je te plais, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui bloque. La vérité, c'est que... C'est que... Non, mais t'es pas obligé de tout me dire, tu sais. En fait, c'est assez simple à comprendre. C'est pour ça que t'as réagi comme ça avec Laurent. C'est parce que tu t'es retrouvé dans le même état que lui. À cause d'une femme. Et... Et quoi ? Vous voulez que je dise quoi ? Attends, tu vas rire ? Si j'ai sauvé Laurent, c'est uniquement parce qu'il me doit de l'argent ? Eh ben non. C'est pas ce que j'ai dit. N'empêche qu'un jour, elle va découvrir la vérité, comme les autres, et... ce sera terminé. Faut plus que je la voie. C'était tellement romantique. Nous qui marchions comme ça, sous la pluie, partageant un paquet de chips. Si un jour on m'avait dit que je trouverais les chips romantiques... Finalement, il commence à me plaire, ton Superman dépressif. Tu peux même aller le voir tous les soirs, si tu veux. Tu vas t'enlacer. Faut que tu prennes l'initiative très vite. Sinon, tu vas faire 10 fois le tour de Paris à pied et tout ce que tu vas gagner, c'est une bonne pneumonie et du cholestérol. When you love with somebody, shining in your dream. When you love with somebody, have gone wicked. Laurent ? Laurent, combien de fois je t'ai dit... Ah, mon sauveur. Alors, ça s'est bien passé au boulot aujourd'hui ? Et toi, t'as avancé ? Bah oui, tu vois, regarde. Je suis sorti du lit. Laurent, ça fait 3 jours. Ouais, je sais, mais... J'ai super mal au ventre, en fait. Il a un drôle de goût, ton champagne. Ah bon ? Ça doit être les médicaments que tu prends qui doivent te fausser le goût. Ouais, peut-être. Puis ces couleurs, là, je sais pas, c'est bien celles que j'utilise d'habitude, hein, mais là, non, c'est pas les mêmes. Ça doit être les médicaments qui te faussent aussi ta perception des couleurs. Ah bon ? Quoi, c'est quoi, ça ? Qu'est-ce que c'est ? Le dîner. Enfin, sa maman. Waouh ! Quand je l'ai acheté, elle en avait pour du qu'un. C'est quoi, ça ? Ah oui, merde ! J'avais complètement oublié, c'est ta sœur. Elle a appelé hier. Ou avant-hier, je sais plus. Elle revenait de Miami, je crois. Ouais. Tahiti. Elle habite Tahiti. Ah oui, voilà, c'est ça. Bah, elle habite plus Tahiti. Elle est revenue s'installer à Paris. Oh non. Non, c'est pas possible. Quoi, pourquoi ? C'est pas une bonne nouvelle ? Je m'assois. Vous remettez ?
Alexis Morin, la maison, les travaux. Difficile de vous oublier, hein. M'avait fait faire au moins 25 devis. Toujours trop cher, toujours trop cher. Et au final, niente. Vous m'avez fait travailler des heures pour rien. Ah, monsieur Massoni, c'est à cause de ma sœur. La maison lui appartient autant qu'à moi, hein. Elle a son mot à dire aussi. Mais là, c'est bon, vous pouvez attaquer dès demain matin. Demain matin? Vous me faites mariner pendant un an, et maintenant, je dois foncer chez vous. Ah, monsieur Massoni, moi je dis ça parce que vous m'êtes sympathique, hein. Maintenant, votre concurrent, monsieur Pessoa, lui, il est prêt à attaquer dès ce soir. J'ai qu'un coup de fil à passer. Alors. Quoi? Les travaux sont pas finis? Un an que ça dure. C'est simple, le type, il vient quand il veut. Aucune conscience professionnelle. Mais tu l'as pas viré? Bon, vous pouvez faire. T'as beau changer, tous les mains. Tu l'as pas payé quand même? Si. Et il a tout encaissé. Ah, ça, pour toucher le pognon, il est rapide. Attends, mais on va lui faire un procès à ton maçonnier. Comment t'as pu te faire avoir comme ça? C'est pas du tout ton genre, ça. Tiens, en revenant. Ça va vous presser pas, monsieur Massoni, on a tout notre temps. On est plus à une journée près, maintenant. Je crois aussi. Oui, oh, taisez-vous, épargnez-nous vos explications fumeuses. On la connaît, la musique. En plus, prends l'air étonné, tiens. Ah. Allez, viens, va, oublie pas que je reste en face de lui, je sais pas de quoi je serai capable. Mais il travaille comme un porc, en plus. Non. Non, ça, ça doit pas être lui. Y a rien qui a changé dans cette maison. Elle est comme du temps de papa. Note que venant de ta part, c'est l'inverse qui m'aurait étonné. Hein. Oui, mais déjà que les travaux nous coûtent un bras, si en plus je dois m'occuper de la déco. Hé, c'est quoi ce bordel là? Tu m'avais acheté je sais pas combien de toiles et tu peins sur mes murs. Mais même les toiles, elles sont bizarres. J'ai jamais vu un truc pareil. Regarde, regarde. Tiens, regarde. À chaque fois que je mets un peu de peinture dessus. Là, regarde. Regarde, ça fait comme des petites cloques. Là. Puis hop, regarde, ça passe au travers. Alors comme t'es en travaux... Oui, mais les travaux, c'est dehors. Ouais. T'as pris un locataire en plus, hein? Sans m'en parler. Ah oui, pas du tout. C'est Laurent, un ami qui savait pas où dormir et que je dépanne. Laurent, je te présente Aline, ma sœur. Vous avez un frère formidable, vous savez. Hein. Non seulement il m'héberge, mais en plus, bah, il m'a sauvé la vie. Ouais. Qui? Toi? Et je lui suis triplement redevable. Hein. Je lui dois énormément. Hein. Et pas seulement de l'argent. Ah, tu irais pas nous chercher une bouteille de champagne? Qu'on fait dignement le retour d'Aline, ma sœur? Ah, si, si, si. Formidable, formidable. Alors là, un copain, du champagne? Mais t'es plus le même, toi. C'est juste dommage pour les travaux. Je comptais beaucoup sur la vente de la maison, moi. T'es revenu pour ça? T'as besoin d'argent? À mort! Je suis sur un gros coup. Encore? Non, mais là, c'est du sérieux, je te jure. Une boutique à Paris. C'est ma copine Odile, elle a besoin d'une associée. Et là, je peux te dire que mes 30 000 euros, ils me manquent, mais grave. Non! Cet argent, c'est à vous? Les meubles de papa! Quoi, les meubles de papa? T'as qu'à les prendre en attendant. Ils sont à nous, mais je te les laisse. Ils sont dans le garage, tel quel. Jamais touché. Les tableaux, les bibelots, les meubles, tout. Ouais. Non, 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 non. Oh, j'avais oublié celui-là. Papa, il tenait beaucoup. Tu te souviens? Il l'avait même planqué chez la vieille Cournot pour empêcher les huissiers de le saisir. On se demande bien pourquoi. Quel croûte. Tu sais quoi? J'en vais même à regretter de m'être installée chez Odile. Avant, ici, c'est tout juste s'il n'y avait pas un cadenas sur le frigo. Mais c'est de ta faute. T'es comme papa. Je flambe. Et après moi, le déluge. C'est vrai. Mais quand même, avoue que t'étais devenu très radin, non? D'ailleurs, t'as pas quelque chose à me dire, toi? L'autre jour, quand j'ai appelé sur ton portable, je suis tombée sur une fille. Ah bon? Bah, attends, arrête. Moi, tu peux me dire. T'as rencontré quelqu'un, c'est ça? De toute façon, pour t'échanger à ce point, c'est qu'il y a une femme derrière.
Quoi? Dis, ta sœur, elle a quelqu'un dans sa vie ou elle est comme toi, toute seule? C'est pour ça que tu me réveilles? Attends, j'ai flashé. Je la trouve belle, sympa. Et en la regardant tout à l'heure, bah, je culpabilisais grave, quoi. Enfin, à cause des 30 000 euros. Tu lui en as parlé? Ah non, 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 j'ai trop honte. Ouais. Eh ben, continue à avoir honte. Parce que si je m'étais pas montré aussi généreux, j'en serais pas à donner les meubles de mon père. Attends, c'est pour ça que tu m'as sauvé? Que tu m'aides, là, juste pour l'argent? Mais... comment tu peux penser une chose pareille? Laurent... il est 2h du matin, je suis fatigué. Ouais, je te rembourserai, hein. Enfin, je vous rembourserai. Mais tu peux pas essayer de voir si je lui plais aussi, d'accord? Ouais, ok. C'est vrai que dans le genre panier percé, tous les deux, vous feriez la paire. Ouais. Bon, je peux dormir maintenant? Je sais pas comment tu peux. Ce champagne, il m'a filé un de ses mal de crâne. Il a un drôle de goût, non? Du tout. C'est parce que t'es trop habitué à en boire du mauvais, c'est tout. Je suis vert. À cause du champagne? Mais non, à cause des meubles qu'il va être obligé de donner à sa sœur. Mais il a dit qu'il ne valait rien. D'après les huissiers de l'époque, oui. Mais c'est pas ça le problème. C'est juste l'idée de... donner. Je crois que je préfère encore être un gros fort. Bon. Mais revenons sur cette affaire d'huissier, Alexis, et donc forcément sur ton père, car c'est après lui qu'ils en avaient à l'époque, non? Il claquait tout. Mais vraiment tout. J'avais 8 ans quand j'ai perdu ma mère. Et le seul souvenir que je gardais d'elle, c'est une médaille que je portais toujours autour du cou. Jour où je me suis réveillé sans. Vous l'avez piqué pendant mon sommeil. Dette de poker. Je savais pas comment rembourser. J'ai jamais pardonné à mon père. Bien. C'est un grand pas que tu viens de franchir. Et sache déjà que pour toi, Alexis, cette première consultation est gratuite. Alexis? Alexis? Je suis arrivé, mais je te vois pas. Ben moi, je te vois très bien. Météo. Non. T'es là-haut? Ta-da! J'ai pris de quoi pique-niquer. Je me suis dit que ça serait plus sympa que de se faire un resto, non? Eh ben, génial! On n'a qu'à déjeuner sur le ballon et avec tout Paris à nos pieds. Génial. Attends, j'ai un double appel. Allô? Quoi? Allô? Allô? Vous l'avez décoté où, ce champagne? Je sais plus, pourquoi? Parce qu'il est pire qu'une perceuse. Il fait des trous dans l'estomac. Regardez votre poule. Oh, ma poule! Non, non, la poule, c'est... la peinture, elle a picoré une toile et crac, elle est morte. Vous avez des problèmes d'asthme? Mais c'est quoi ce bordel, putain? Tes toilettes, elles marchent plus. Quel est le connard qui vous a dit de mettre des pavés dans votre chasse d'eau? Vous êtes écolo, c'est ça? Si on veut, oui. Ouais. Encore un métier de riche, ça, écolo, hein? Ça fait au moins les 20e toilettes que je dois remplacer à cause de ce sida à la con. J'ai voulu réparer la fuite, mais votre queue, elle est tellement vieux qu'il vient de péter. Voilà. Alors maintenant, je dois tout casser, moi. Carrelage, cloison. Bon, ben alors, on fait quoi? Je répare maintenant ou je reviens demain? Parce que déjà, avec le déplacement, le tarif week-end, tout ça, ça va vous coûter près de 10 chiottes, je vous préviens. On répare. Voilà, ça vous fera 120 euros.
Et débrouillez-vous pour trouver une pharmacie de garde. Il faut qu'il prenne ça avant de se coucher et qu'il fasse tous ses examens demain. Mmh. Dites donc, vous le traitez bien mal, votre mal d'or. À moins que ce ne soit une copie. Je sais pas. Alors c'est une copie, sinon vous sauriez. Vu le prix d'un mal d'or aujourd'hui... Ah bon? Ma femme travaille Drouot. Je crois que le dernier s'est vendu à presque 1 million d'euros. Vous faites vraiment des crises d'asthme? Non. Non. C'est que... C'est un tableau de famille et... Dans un moment de folie, je l'ai offert à ma sœur. Ah oui, dommage. Très dommage. Et le pire, c'est que la connaissant, elle est capable de tout dilapider en 2 temps 3 mouvements. Mm-hmm. Elle connaît la valeur de ce tableau, votre sœur? Non. Pourquoi? Ah oui, mais non. Je l'aime bien, ton frère. Et il mérite d'être connu. Puis sans lui... Enfin, bref, je lui dois beaucoup. Comment tu vas faire avec tout ça, là? Ben, je suis passée voir un brocanteur tout à l'heure et il est prêt à venir jeter un coup d'œil. Ça montera jamais jusque 30 000 euros, mais bon. Non, non, fais pas ça. C'est tous des escrocs, ceux-là. Ah bon? Évidemment. Attends, le mec, il va venir... il va voir un truc qui vaut super cher. Ouais. Puis bah forcément, il te dira que ça vaut pas un rond. Hein. Mais je fais quoi, alors? Bah, tu fais venir un expert, quoi. Un vrai, quoi. Ouais. Lui, au moins, il te donnera la vraie valeur des choses. Ouais. Attends, on sait jamais, hein. Si votre père, il arrêtait pas d'acheter et de revendre, c'est que forcément, il s'y connaissait. Hein, et qu'il achetait pas n'importe quoi. C'est vrai, pas bête. Merci. Ah bah, je te dois bien ça, quand même. Ah bon? Pourquoi? Pourquoi? Bah si, oui, parce que je suis un peu ici chez toi aussi. Enfin, pas un peu, quoi, c'est vrai. C'est vrai. J'ai trouvé ça pour mon petit-fils. Ça va rigoler sur les fils. Ça va plaire aux filles. Oui, j'ai trouvé des gants à sortir. Oh, allez-y. Pardon. Je pars à la fin du mois au ski, vous vous souvenez? Oui. Ah, votre sœur a appelé. Elle sera chez vous demain matin à la première heure, avec un expert pour tout évaluer. Quoi? Mais pourquoi? Ça ne va pas? Je peux faire quelque chose? Non. Merci, Gina. Oui, Laurent, c'est moi. C'est pas ce soir que tu dois aller chercher tes résultats d'analyse? Vers quelle heure tu vas? 18h30, t'es sûr? Tu sais pour combien de temps t'en auras? Il est encore annulé? Ben ouais. Il devait venir la chercher à 18h et passer la soirée avec elle, et rien. Une histoire avec sa sœur, enfin, soi-disant. Moi, je serais bien restée, mais j'ai la réunion pour ma mission en Antarctique. C'est la dernière fois la VP. Faut que je file. Je vous dis pas comme ça me fout les boules de partir si loin, si longtemps. Vous allez me manquer tous les deux. Mais non, ça va être génial. Tu parles de moi avoir rien d'autre que des icebergs, je suis pas sûre. Pourquoi tu viendrais pas? On ferait la mission ensemble, au moins on se marrerait. Je ferai la prochaine. Chacun son tour. Et si on se faisait un ciné ce soir? Comme au bon vieux temps. Ah mais non, je suis bête. T'es forcément déjà prise avec Superman. Ah oh ben non, tu vois, je... Non, non. Ben dis donc, tu dis ça sur un ton. Non, pas du tout. Tout va bien. Ça, évidemment. Tu
Tu vois jamais le mal nulle part, toi. Ah, Charline t'a raconté. Franchement, un mec qui annule à la dernière minute, c'est qu'il a quelque chose à cacher, non? Genre, une sœur. Très très blonde, avec des très très gros seins. Écoute, crois ce que tu veux, moi je lui fais entièrement confiance. Dit-elle avec sa petite fossette de menteuse. Quoi? Je te connais par cœur. Quand tu mens, t'as une petite fossette, là. Et tu pourras me dire tout ce que tu voudras, je suis sûr que tu vas pas dormir de la nuit. Ou que tu vas aller espionner chez lui, histoire d'en avoir le cœur net. Moi? Mais pour qui tu me prends? Ah, encore la petite fossette. Tout ça. Vous vous souvenez du temps de papa? Évidemment, qu'est-ce que vous croyez? Je suis pas Alzheimer. Il flambait tout. Et dès que les huissiers menaçaient de débarquer, il planquait tout chez moi. Mais ne me dites pas que c'est votre cas. C'est pour protéger ma sœur. Vous savez, la famille. Que des rapaces, des vautours, qui attendent que je crève pour tout récupérer. On vit seul, on meurt seul. Mais après, c'est le défilé. Ben Aline, ma sœur, elle est comme papa. Je dois la protéger d'elle-même. Sinon, en moins de deux, elle aura tout dilapidé. C'est triste des gens comme ça. Bon, tant que ça reste chez vous, je suis rassuré. Je passerai tout reprendre dans un jour ou deux, d'accord? Faut que ça reste entre nous, hein. Pas un mot. À personne. Vous inquiétez pas. Je serai une vraie tombe. Fait pas chaud chez vous, hein? Je me chauffe au métalène, c'est pour ça. Au quoi? Métalène. Métalène. Mais ils étaient combien? Un seul. Et le pire, c'est que j'aurais pu l'avoir. Qu'est-ce qui vous fait penser ça? Je lui ai dit que j'étais ceinture noire de karaté et il l'a gobé direct. Alors que, franchement, vous m'avez vu. Et il avait une voix très bizarre aussi. Une voix de fille. Mais pas du tout. Enfin, je veux dire... T'es sûr? Mais oui! Donc, si je vous suis bien, un travesti est entré dans la maison sans laisser la moindre trace d'effraction. En tout cas, une chose est sûre, c'est ça change tout pour vous. Pourquoi? Mais comme il n'y a pas d'effraction, il n'y a pas de remboursement des assurances. Tout pour votre pomme. Ah bon? Pourquoi ça tombe sur toi? C'est injuste. Non, peut-être pas. Peut-être que je le mérite. Arrête, pourquoi tu dis ça?
me comprends. Tiens, fouille dans ma poche. C'est quoi? C'est super beau. C'est l'endroit où... Mais qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Si, si. C'est l'émotion. C'est l'endroit où je voudrais t'inviter ce week-end. Mais ça doit coûter une fortune. Ah, ça c'est sûr. Tu veux pas alors? Mais si, bien sûr, je... Mais au contraire, je t'adore. C'est ça la voiture que tu vas me prêter? Bah, elle en a pas 500 non plus, les bagnoles au deal. Tu t'as vu la tienne? Tu crois que ça va être très glorieux pour nous de nous trimballer tout le week-end avec de la crème anti-cellulite sur le dos? Sinon, t'as eu les assurances? Ils vont vraiment rien te rembourser pour le cambriolage? Rien. Écoute, moi j'ai eu l'expert. D'après lui, je pourrais tirer 5 ou 6 000 euros de ce qui reste. Si tu veux, je te file la moitié. Vous n'avez quand même pas accepté. Oh non. Enfin si. Mais juste le quart de la somme. Ça a été plus fort que moi. Mm-hmm. Mais je l'ai regretté tout de suite après. Je vais tout avouer à ma sœur. Et à Clarisse aussi. J'aurais dû le faire depuis longtemps. Bien. On va s'arrêter là. Et comme c'est une première séance... Non. Attendez. Je voudrais que vous fassiez quelque chose pour moi. Je connais la règle, mais exceptionnellement, est-ce que vous voudriez bien me... Oui. M'obliger à... Oui. Savoir. Mais oui, bien sûr. En fait... Monsieur et Madame Morin, bienvenue chez nous. Je vous en prie, donnez-moi vos bagages. Et vous pouvez me suivre. Ça va? Clarisse, ce que je voulais te dire tout à Attends, l'heure... Attends, pas maintenant. Ferme les yeux, j'ai quelque chose pour toi. Pour moi? Ouais. Ferme les yeux. Si j'ai honte, moi j'ai rien apporté. Tu sais pas tout de moi. Je suis radin. Voilà, radin. Radin, toi? Ça, c'est la meilleure. Et tout ça, alors? Hein? Personne m'a jamais autant gâté, tu rigoles? Mais c'est pas vrai, mais où est-ce que j'ai mis ce truc? J'ai oublié dans la voiture. Tu bouges pas, j'arrive. Clarisse, attends, faut vraiment que je... Mais t'es terrible, hein? Tu supportes même pas l'idée qu'on puisse te faire un cadeau, c'est ça? Eh ben, il va falloir t'y habituer. Hein? Allez, respire. Voilà, j'arrive. Allô? Je voulais juste te laisser un message, je pensais pas que tu décrocherais. Ah bah tu tombes bien. Ouais, je voulais t'appeler lundi, mais autant que je le fasse tout de suite. Merci Alexis, merci mille fois. Laurent et moi, on a... Enfin, on est... Enfin, tu comprends quoi. Tout ça grâce à toi, elle est pas belle la vie? Ouais, formidable, formidable. Écoute, comme je suis pas sûr de trouver les mots, je vais te demander d'aller tout de suite chez notre vieille voisine.
Madame Cournot. Madame Cournot? Mais elle est morte. Quoi? Mais quand? Bon, je sais pas. Un mauvais rhume, il paraît. Enfin, d'après ses neveux. Ses neveux? Ouais. Et je peux te dire qu'ils ont pas perdu de temps. Ils sont tous là à tout embarquer. Quoi? Mais c'est pas possible! Bah attends, elle aura jamais rien donné de son vivant et il se venge sur la bête, on peut comprendre. Ah non, on peut pas. C'est dégueulasse. Bah Alexis, qu'est-ce que t'as? T'es en week-end en amoureux. Moi, je suis heureuse comme c'est pas permis. On s'en contrefou, la vieille Cournot. Alors, qu'est-ce qu'elle mérite, hein? Allez, profite. Bon, je t'embrasse. Laurent t'embrasse aussi. Et on te dit à lundi. J'ai retrouvé. Bon, je suis désolée, j'ai pas eu le temps de faire un paquet. Ferme les yeux. Ça va pas? C'est ma voisine. Elle vient de mourir. Tu sais, celle qu'on avait vue à l'hôpital. Ah, l'horrible Radine. Oh, elle devait en souffrir terriblement, tu sais. C'est pas aussi simple qu'on croit. Puis je la connaissais depuis que je suis tout petit. Oh, t'es trop gentil. À force, ça peut devenir un défaut, tu sais. Tiens. Une belle écharpe pour te consoler. J'y vais. Mais non, mais tu iras à l'enterrement. Ils vont pas l'enterrer tout de suite. Si, enfin non. Clarisse, je ne peux pas ne pas y aller. On va pas repartir maintenant. On vient juste d'arriver. J'y vais tout seul. Toi, tu restes là, bien au chaud, et dans 2-3 heures maximum, je serai rentré. J'ai un tas de choses à te dire, Clarisse. J'ai fait une connerie. Je dois la réparer. Je peux pas t'expliquer maintenant. Je t'aime. Fais-moi confiance. Radine. À la plus grande rapia que la terre n'ait jamais portée. Pingre comme un cul de guêpe. Pardon, vous avez pas vu. Vous cherchez quelque chose? Je suis le voisin. Et je venais m'associer à votre douleur. C'est con, on en a pas. Je m'entendais très bien avec votre tante. Et d'ailleurs, ça me revient, je lui avais laissé un certain nombre de petits objets, notamment... un tableau d'une grande valeur sentimentale. Ben voyons, c'est un peu facile ça, non? Vous pouvez le prouver? Elle vous avait signé un papier? Non, bien sûr que non, mais... Il y en a qui manquent pas d'elle. Charognard! Dégagez! J'appelle les flics! Allez, dégagez! Dégagez! C'est toi? J'ai pas reconnu ton numéro. Et c'est le portable d'Alexis, il l'a oublié. Oublié? Mais comment ça? Il est pas avec toi, là? Non. Encore sa sœur? Non, cette fois, c'est...
C'est une voisine. Une vieille voisine qui est morte. Salut, beau gosse. C'est 30 euros si t'es pressé et 50 si t'as le temps de profiter. Allez, viens, mon lapin. On m'en a demandé des trucs dans la vie, mon chou, mais alors ça, jamais. Remarque, on fait un peu le même métier, les taxis et nous. On charge des clients tous les deux et on les emmène ailleurs. Vous auriez un portable? J'ai oublié le mien. Dans mon sac, mon chou. Allô, Alexis? Ah, Clarisse, je suis désolé. J'arrive. Si tu savais comme j'ai hâte d'être avec toi. Mais tu seras là dans combien de temps? Tu seras dans combien de temps? Bah, 4 heures. Dans à peu près 4 heures. 4 heures? Et pourquoi? Ouais, je suis quasiment tout seul à cette veillée mortuaire. Tu te rends compte? Cette pauvre femme morte, sans personne pour la veiller. Je peux pas la laisser comme ça. Ah hey, ta gueule, toi, enfoiré, connard, tête de cul, oui. C'était quoi, ça? Une vieille cousine. C'est le chagrin. Elle perd ses nerfs. Là. Mais je t'expliquerai. Je t'expliquerai tout. Je t'aime. À tous les mêmes, hein? Non, mais c'est pas possible. Ça a dû virer dans la nuit, là. C'est pas du tout ce que j'avais prévu. Non, mais c'est pas mal, hein. Oh, merde, alors. Mais j'aurais jamais pu le trouver. C'est exactement ce que je cherchais. Message ou de me joindre sur mon portable. À bientôt. Monsieur Morin, bonjour. Jacques Philibert à l'appareil. Nous sommes venus il y a quelques jours pour l'expertise de votre mal d'or. J'ai un acheteur. Il propose 1 million. Mais je pense qu'il peut encore monter. Rappelez-moi au plus vite. Enfin, si vous êtes arrivé à un arrangement avec votre sœur. Bonjour, madame. Il est là, le patron? Non, désolé. Et quand il y entre?
Ah, parce que moi, j'ai été gentil, hein. J'ai démonté l'échafaudage comme il a demandé. Mais les sous, moi, je ne l'ai pas encore vu, hein. Alors, où il me donne le chèque aujourd'hui, au moins, l'échafaudage, je vais le démonter. Compris? De toute façon, les travaux, hein, il ne fera jamais. Voilà. Le stronzo baccalà. Alexis? Daniel? Qu'est-ce que tu fais là? C'est Charline qui m'a prévenu. Je peux pas laisser ce mec te traiter comme ça. Je te ramène avec moi. Allez, bonne chance, mon chou. Ouais, je sais. Ça a l'air bizarre, mais je peux tout expliquer. Pas besoin. On a très bien compris. Comment t'as pu en arriver là? Voler ta propre sœur? Organiser ton propre cambriolage. Mais j'allais justement te le rendre. C'est pour ça que j'ai filé chez Madame Cournot. Ben voyons. Et ma Sony, t'allais me l'annoncer quand? Si tu m'as sauvé la vie, c'est juste parce que je te devais 30 000 euros. Mais 30 000 euros. Tu fais comment le matin pour te regarder dans la glace? Je veux plus jamais te revoir, Alexis. Tout ce que je te souhaite, c'est finir tout seul, comme la vieille Cournot, avec personne pour pleurer. Ou peut-être si, ton banquier. Tu vois l'inconvénient avec Superman? C'est quand on lui retire son déguisement. Clarisse, attends, je t'en prie, écoute-moi. Clarisse, je sais, j'ai tout contre moi, mais je peux expliquer. Clarisse, je t'aime vraiment. Encore un mot, je te casse en deux. Tiens, j'aurais mieux fait de jamais te le rapporter. Trop bonne, trop conne. La jeune femme m'a demandé de vous la rapporter. Je vais finir comme vous, Madame Cournot. Seule et abandonnée de tous. Avec tout le monde qui se réjouira de ma mort. Parce que j'aurais jamais rien su donner. Ni amour, ni argent. De créer une nouvelle gamme de peintures bio, ça sent le carton à plein nez. Et il a même trouvé un slogan. Ah. Avec peinture déco rouge, jaune, bleu, la peinture reste verte. Allez, hop.
Alexis, non ! Non, mais je comprends ce que tu ressens, mais ça va te servir à quoi de lâcher, hein ? Mais justement, à rien ! Tu veux pas me... Même quand on a les pires défauts de la Terre, faut avoir le courage de se regarder dans la glace et de se dire qu'on va se battre, qu'on va changer. Oui, mais... Et s'accrocher, quoi ! C'est ce que je fais ! C'est ce que je fais ! Et le pire, c'est que c'est toi qui m'as appris ça, sans le vouloir, mais tu l'as fait. Hey, t'as changé ma vie, mec. C'est quoi, grâce à toi, moi, j'ai remonté la pente. J'ai trouvé une fille fantastique. Et tu as un gros potentiel, hein, tu sais. Non, je vais lâcher, là. Non, 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 faut pas. Hey, t'es prêt à changer, oui ou non? Je demande que ça. Attends, si tu voulais te suicider, c'est que t'as encore une âme. Allez, vas-y. Allez, donne ta main. Allez, donne ta main. Ça, t'es capable de le donner, non? Allez. J'étais même pas en train de me suicider. J'étais juste revenu à l'endroit où, pour la première fois de ma vie, une femme m'a regardé avec admiration. Et j'ai tout gâché. Et si moi je te dis que c'est pas trop tard, que tu peux encore la récupérer ? Donc, tu m'as aidé pour de mauvaises raisons, mais tu m'as aidé. Alors maintenant, bah, c'est à mon tour. Bon, tu promets de bien faire tout ce que je te dis ? Oui. Ok. Qu'est-ce que je fous, là ? Mais t'es complètement dingue ? Non, Alexis, je sais que ça peut te paraître ridicule, mais voilà, tant que t'auras pas pardonné à ton père, excuse-moi, mais tu changeras pas. Ah, mais ça, jamais. Mais tu sais ce qu'il m'a fait ? Oui, oui, Aline m'a raconté. Elle m'a dit aussi que t'avais pas été à son enterrement. Ok. Bon, moi, j'aurais essayé, hein. Bah, j'espère pas retrouver Clarisse, alors. Mais tu comprends pas que je suis encore trop en colère ? Rien que pour de l'argent, il m'a... Quoi ? Il t'a quoi ? Il t'a trahi ? Mais il en avait rien à foutre de nous ! Il était tellement accro au jeu qu'il mais en mais a... Mais que toi, t'es devenu accro à ton fric. Vous allez plus me prendre de voiture, alors ? Non. J'arrête. Pour le départ à la retraite de Bernadette. Ça, c'est pour votre séjour à la montagne. Mais personne ne prend ce prix-là. Ben, vous voulez apprendre à dépenser votre argent, oui ou non ? J'accepte. Ben, tu sais quoi ? Merci. C'est vrai qu'au début, je t'ai aidé. C'était surtout pour récupérer mon argent. Mais après, certains soirs, quand on était chez moi, tous les deux, je trouvais ça vachement sympa de pas être seul. Ouais, mais bon, te casse pas, je suis maqué. Bon, t'es con. En plus, tu serais mon pire cauchemar. C'est vrai, t'éteins jamais les lumières, tu laisses couler l'eau sous la douche pendant des heures, puis tu bouffes pour 15. Ah, ben voilà, là, je te reconnais, là. Et excuse-moi, mais je commençais un petit peu à m'inquiéter, là. Tu m'en veux toujours ? Parce que pour le tableau... Il n'y a rien à dire pour le tableau. J'en prendrai ma part, tu feras ce que tu voudras de la tienne. Je suis là pour Laurent. Je veux plus que tu le vois. Oh non. Non, fais pas ça. J'ai trop besoin de lui. J'essaye de changer. Il n'y a que lui. C'est pas pour ça que je te l'enlève. Il est largement temps que tu te débrouilles seul. Comme ça, tu sauras vraiment si tu en es capable. Et comment je fais ? Ben, je sais pas, moi. Invite une femme au restaurant. Mais qui ? Mais plus personne veut de moi. Heureusement que je ne suis pas superstitieuse, parce qu'à revenir ici... Pourquoi tu dis ça ? Ce sera trop bien t'expliquer. C'est pas vrai.
Excuse-moi une seconde. Dis-moi que je rêve. Dis-moi que t'es pas en train de payer une addition et ici en plus. Si je suis ici, c'est justement pour... Tais-toi! De toute façon, tu sais pas parler sans mentir. C'est qui? Faut pas croire que t'es venu seul. C'est qui a réussi à te faire raquer? Hein? Parce que bravo, là, faut que je la félicite. Wouhou! Calme-toi. J'ai pas envie de me calmer. Parce que qu'est-ce que tu m'as donné à moi dans la vie? Rien. Ou alors si. Si. La pire humiliation de ma vie. La pire. Tout le monde nous regarde, ton ami aussi. Je m'en fous! C'était pas les truffes. C'était le homard. Et le champagne. Avec la vodka, ça m'a... Ça, c'est sûr qu'elle... Elle doit être hors de prix. Bravo, bravo. Et voilà, Barça. Ah, merci. Je l'ai vue, ta Clarisse, dans ton hôtel de bobo parisien. Si tu crois la récupérer en faisant péter ta carte bleue, t'es pas rendu. Oui, mais en être incapable, c'est pire. C'est pire parce que t'as honte de ce que tu es. Mais si tu lui avais fait confiance, si tu lui avais dit ton problème, elle t'aurait aimé pareil. Et elle t'aurait aimé. Tu crois? On a tous nos tares, mon chou. Plus ou moins grandes, ça c'est sûr. Mais ça n'a jamais empêché l'amour de se faufiler. Ça se discute pas, l'amour. Et ça se marchande pas non plus, croisant une pro. L'amour, ça se donne. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, alors? Que tu lui refiles ce que t'as de mieux à lui offrir, mon chou. Toi, tel quel. Aime-toi et donne. Donne, mon chou. Donne, donne, donne. Après, ça roulera tout seul. Tu m'as dit qu'il prenait combien déjà, les psys? Non, parce que je vais peut-être me recycler, moi. Clarisse? Ouvre, Clarisse. T'es la femme de ma vie. Et puis t'es arrivée, tu t'es trompée sur moi. C'est ça qui m'a changé. Clarisse, ouvre. Non seulement t'as toujours pas compris, mais en plus, faut que tu nous réveilles pour nous le dire. Nous? Tu veux que je te fasse un dessin, peut-être? Non. Par contre, je peux te transmettre son dernier message. Barre-toi. Je vais te dire où elle est. Le vol à destination de Ushuaïa, embarquement porte 35. Toi, t'es en train de faire une bêtise. Tu peux encore faire demi-tour, tu sais? Non. Je me suis renseignée. S'il y a un truc de commun à tous les radins, c'est qu'ils changent jamais. Lui, pas plus qu'un autre. Oui, le prochain vol pour Ushuaïa. Non, juste l'horaire et le terminal. Ok, merci. L'avion décolle dans 10 minutes. Terminal D, accélère. Oh, genre loser, je me pose là, moi.
amener son mec à la femme de sa vie. Dès que je rentre, psychanalyse. C'est une bonne adresse pour toi. À Paris? Non, en province. Dans une camionnette. C'est pas vrai. Dites-moi que c'est pas vrai. Ça décolle jamais à l'heure, un avion. Là, oui. Vérifiez encore une fois, s'il vous plaît. Mais vous avez raison, il a pas encore décollé. C'est vrai. Attention. Voilà. Voilà. Et donc voilà. Là, il a décollé. Oh la vache, c'est... Quoi? Non, non, rien. Déjà que t'as le moral dans les chaussettes... La générosité n'a pas de limite, puisqu'on a appris ce matin que la moitié de la somme récoltée pour la vente de cette œuvre, qui a battu le record pour une toile de Maldor, presque 2 millions d'euros, sera reversée par un des propriétaires à une œuvre caritative. Tu vois que ça peut changer finalement, un radin. Thanks for your song, thanks for your gift, all that you want. Thanks for your song, all that you want, every moment. De toute façon, je me fous de tout. Ça m'a. Alexis, Malessou, moi j'ai pas encore vu. Mais c'est quoi ce bordel, putain?